Imke, zesde plaats, maar in die finale staan was dat heel belangrijk. Opnieuw een vereniging met de Cheetahs. Kan je nog eens zeggen hoe dit in die finale verlopen is? Ik denk dat we inderdaad een beetje opgewonden zijn van de tijd. Maar ik denk dat we zijn een beetje afgezonderd geraakt van de kopgroep en dan die aansluiting gemist. En het is eigenlijk beter als we kunnen gewoon aansluiten, maar ik kan het niet meer aansluiten. En nu moesten we echt onze eigen koers maken, dus ik denk dat dat gewoon heel moeilijk was. Imke, opnieuw een mondiale finale met de Cheetahs, dat moet deugd doen en ook vertrouwen geven met toch op een belangrijk jaar. Er komt een WK aan, een EK aan. Hoe kijk je naar die zomer toe, na vandaag? Ja, dat is inderdaad een goede analyse dat we hier opnieuw in de finale staan. Het toont dat we echt wel onze plaats hebben op dat mondiaal niveau. Uiteraard is deze zomer heel belangrijk met 2K en ook vooral het EK. Dat ik denk dat we wel iets kunnen gaan doen. Dus ik denk dat het weer een goede ervaring was om te kunnen lopen. We zijn opnieuw zesde. Oké, de tijd zijn we misschien nu niet zo tevreden mee, maar die zesde plaats zeker wel. Dus ik denk dat we dat vooral gaan onthouden. Naomi, est-ce que vous avez vu la vidéo sur World Athletics où vous avez rencontré les Hollandais presque? Oui, je les ai rencontrés à la piste d'échauffement et aussi ici. Mais je n'ai pas essayé de trop les regarder parce que sinon ça va souffrir quelque chose en moi qui n'est pas trop beau, donc je ne les regardais pas. Mais même ça, j'ai vu la vidéo et après, j'ai eu le soutien de tout le monde et de toutes les filles. On a compris comment ça a été, mais j'ai essayé de refocaliser sur la course d'aujourd'hui et je me sentais vraiment bien aussi. Le départ aussi n'était pas trop pas mal non plus, mais après la anglaise est venue et après je m'ai un petit peu éloigné du groupe et là je pense aussi qu'on a perdu un peu trop et on pouvait plus s'accrocher. Donc c'est comme ça que c'est des choses comme ça qui se passent, mais je pense qu'on va retenir les choses positives et viser l'été parce que je pense qu'on peut faire de belles choses. Il y a aussi des jeunes filles qui viennent aussi. Il y a aussi Cynthia, Pauline, Margot, Lourdes, toutes les autres filles qui sont dans la maison qui vont aussi revenir. Donc je pense tout en tout, c'est vraiment positif en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui. Camille, comment est-ce que vous avez vécu la course des hommes? Dans la call room, c'était génial de pouvoir suivre la course et puis de voir des champions du monde. Donc c'était un bon boost. C'est toujours chouette de voir ces images avant une course. Et en général, l'expérience ici avec l'équipe, c'était comment? Très positive, hein. C'était la première expérience indoor pour Naomi et Imke, ouais. Donc ça c'est toujours positif. Maintenant l'objectif a été atteint, mais c'est sûr qu'on en veut toujours plus en tant qu'athlète. Donc on va continuer à travailler et puis continuer sur notre lancée parce que le résultat qu'on a fait ce matin montre qu'on est sur la bonne voie pour faire des belles choses cet été. Ok, merci bien et j'espère que vous pouvez boire encore un petit peu de champagne pour la tournade. Oui, on va. Merci. Voilà.